Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve du pour de nouvelle vidéo sur The Crew 2 et comme vous avez pu le voir, on va parler d'une voiture qui va potentiellement arriver dans un futur plus ou moins proche, sûrement dans des prochaines mises à jour. La BMW M4 Competition de 2022 devrait arriver sur le jeu. Alors le pourquoi du comment, eh bien je vais vous montrer tout ça de suite. Ça se passe sur l'Instagram d'Ubisoft Ivory Tower, qui est pas un Insta très très connu et qui est pas très suivi. D'ailleurs, pour preuve, la publication où la M4 compétition de 2022 apparaît à seulement 46e, donc autant vous dire que c'est pas très populaire, mais on voit clairement bel et bien une de ces voitures. Alors la publication ne porte pas spécialement sur le jeu ni sur des voitures ajoutées de base, hein, parce que c'était pour le retour sur la journée Geoday FR, qui était tout simplement eh bien, une journée où des développeurs allaient travailler avec des personnes en situation de handicap dans le monde du jeu vidéo. Donc vraiment rien à voir avec The Crew 2 réellement de base. Mais ben, on a plusieurs photos, on a 4 photos sur cette publication. La plupart des photos ne nous apprennent rien, hein. Il y en a d'autres où on voit des écrans, des trucs modélisés, mais on nous apprend vraiment rien. Par contre, la dernière photo de ce poste, on a vraiment limite en gros plan, en tout cas très apparent, et bien un gars qui est en train de modéliser, enfin en tout cas qui a un concept 3D de la BMW M4 Competition 2022 sur son écran. Alors on reconnaît clairement la voiture, bah, déjà par sa coupe, par sa calandre, les aérations à l'avant, le pare-choc à l'avant, bref, on reconnaît quand même bien la voiture et il n'y a pas de doute, c'est à 100% sûr que c'est cette voiture. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'ailleurs de pas avoir caché ça ou d'avoir pris en photo ça. Est-ce qu'ils ont pas fait attention? Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas, mais une voiture qui devrait faire plaisir quand même à pas mal de monde. Alors est-ce qu'elle arrivera sur The Crew 2? Est-ce que c'est un concept 3D pour une modélisation 3D pour un futur The Crew, peut-être The Crew 3, je ne sais pas, mais en tout cas elle arrivera sur le monde de The Crew, c'est sûrement une certitude, ça étant donné qu'elle est quand même en train d'être modélisée en 3D. Et quand tu modélises quelque chose en 3D, c'est pas pour rien la plupart du temps. Bon, voilà, c'était une petite vidéo info, toute petite, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Moi ça me fait plaisir de voir que des petits véhicules comme ça pourraient arriver, ce serait très sympathique. Mais bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, on va dire news, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonnez si pas du fait, activez la cloche pour ne pas quitter les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Allez, bye!